Bah écoute, ça va plutôt bien. On est avec les copains dans le bon paquet, donc que demande le peuple? Un peu de soleil avant la grisaille prévue pour ce soir en Irlande. Donc voilà, faut essayer de combiner avec le vent qu'il y a. C'est pas facile, mais bon, écoute, j'essaye de faire du mieux possible, comme toujours. Ouais, c'est clair, comme tu dis, il y avait pas mal de choix possibles. Je pense qu'il y a des petits malins qui ont traversé à travers les Scilly. On verra bien ce que ça donne au Fastnet. Donc voilà. Écoute, sur le classement de ce matin, ils étaient devant, mais c'est juste le décalage par rapport à la distance au but, je pense. Donc voilà, écoute, pour l'instant, content de ma position. Et bah écoute, ouais, il devrait y avoir un petit peu de vent sur le Fastnet, va falloir se méfier. Mais d'abord, pour monter, là, c'est un peu comme ça toute la journée, faiblard. Et voilà, mais écoute, non, c'était ce qui était plus ou moins prévu depuis le début. On était plutôt en avance sur les routages, mais là, je pense qu'on a pris un petit peu de... On a pris un petit peu de retard. Mais voilà, on va essayer de se dépatouiller avec ça. C'est encore très intéressant, dirons-nous. Normalement, ouais, c'est au passage du Fastnet qu'il y a de l'air. Assez fort, là. Surtout si le front, il bloque un peu sur les côtes, là, en arrivant. Donc voilà, ça devrait être assez fort au Fastnet. Et ensuite, le long des côtes, ça devrait aller. Il y aura des rails, des belles rafales, parce que pour ce secteur-là, c'est assez rafaleux, mais ça va. Après, c'est surtout le Fastnet où il va falloir être casque lourd. Ça va, j'ai dormi fort là cette nuit. Là, je me suis vraiment forcé à dormir, quitte à perdre un petit peu, mais ouais, justement, je voulais vraiment. La connerie, c'est de se dire qu'il reste plus que 24 heures et de pas dormir, donc j'ai dormi à fond cette nuit là. Donc ça, c'est bien, et je vais essayer de caler un petit coup de sieste cet après-midi si on a le temps. Et puis voilà, ça devrait finir comme ça après.